Élise Lucet est de retour, ce jeudi 20 avril à 21h sur France 2, avec un nouveau numéro d'Envoyé spécial. Pour l'occasion, Téléstar vous propose de découvrir quels sont les thèmes des trois reportages qui seront diffusés cette semaine. Le premier reportage de cette semaine sera consacré à l'affaire Delphine Jubilard. Nadine, la mère de Cédric Jubilard, témoigne en exclusivité pour la première fois. Elle évoquera notamment le parcours de son fils, qui ne cesse de clamer son innocence depuis qu'il a été mis en examen en juin 2021. Les secrets de Cédric Jubilard, un reportage de Grégory Hérault et Ronan Folgoas. Le deuxième reportage de la soirée sera consacré à Jade, 43 ans, et Sébastien, 37 ans, qui ont perdu la mémoire, il y a quelques années, la première après une opération pour prévenir une rupture d'anévrisme, le second après une chute d'une dizaine de mètres. Comment vivre au quotidien quand on souffre d'amnésie? Comment se reconstruire et retrouver confiance pour aller de l'avant? Mémoire envolée, un reportage de Marion Ciotat et Justine Rousseau. Le troisième reportage de la soirée sera consacré à l'eau. Une journaliste de l'émission a tenté une expérience folle, vivre sans eau. Elle en a fait un reportage à découvrir ce jeudi. Ma vie sans eau, un reportage de Nathalie Gros. Envoyé spécial, quelle audience pour la dernière émission? Le jeudi 13 avril, plus de 1,7 million de téléspectateurs étaient présents devant Envoyé spécial sur France 2, permettant notamment à la chaîne du service public de talonner la demi-finale de Pékin Express sur M6. Si est-ce la série Léo Mattei, Brigade des mineurs, portée par Jean-Luc Reichmann qui dominait largement la soirée avec 4,5 millions de fidèles.